On est passé par tous les états, encore une fois, mené de 6 buts en première mi-temps, on revient à 3. Mené de 5 ou 6 buts en deuxième mi-temps, on revient devant et on passe devant. Encore une fois, on a quelques échecs en attaque à ce moment-là. On est un peu déçus quand même, on est un peu déçus sur ce match-là. On a fait une très bonne remontée, je trouve. En défense, ça a vraiment payé. En attaque, on trouve la solution, on arrive à transpercer la gardienne. Il y avait de la place, je pense. Malheureusement, ça se joue sur des détails. À la fin, on est un peu stressé. On est beaucoup de joueuses très jeunes, on manque d'expérience. Et du coup, on fait une mauvaise passe et puis le jeu se finit sur ça. À un moment, on aurait pu prendre 3 ou 4 buts d'avance et c'était notre moment fort du match. Peut-être que ça aurait tourné en notre faveur. Après, le match est joué à rien du tout, à un pénalty à la fin, à une dernière action qu'on ne concrétise pas. Mais les filles se sont battues et c'est de bonne situation pour la suite du championnat qui va être très très difficile maintenant. Maintenant, c'est un nouveau championnat qui commence, quoi. Va falloir, là on a une semaine de récup et là va falloir tout donner quoi. C'est hors de question que le club descend en D2, donc là je pense qu'on fait de mieux en mieux, on joue de mieux en mieux et on est de plus en plus ensemble. Même si aujourd'hui ça aurait été mieux avec une victoire, l'équipe joue mieux ensemble et je pense que ça va se payer là dans le play-down. Il le faut de toute façon. On va tout donner et puis voilà, 6 matchs, si on peut faire 6 victoires, ce serait parfait. Maintenant, tant qu'on en fait toujours une de plus qu'une autre équipe, ça nous ira très bien. L'année prochaine, Nantes sera encore en D1 ? Oui, je peux vous assurer que l'année prochaine, Nantes sera encore en D1.